Yorana. Yorana Mateo. Alors je rappelle que vous êtes sœurs jumelles, vous avez toutes les deux 43 ans. Toi Tatiana, tu as 5 enfants, cela fait 19 ans que tu exerces dans le domaine de sage-femme. Et puis Yasmina, toi également, tu es sage-femme et tu as 4 enfants. Quelle est la particularité de ce métier? Je dirais que c'est le plus beau métier du monde, c'est vraiment le truc magique de la vie, quoi, de mettre au monde des enfants, de les voir... leur donner leur premier souffle. On voit que vous êtes quand même soudés et qu'il y a toujours cette solidarité entre vous depuis toute jeune et jusqu'à maintenant. Ouais, une complicité. Quand je peux pas garder, mais je travaille et qu'il y a personne pour garder les enfants, moi je garde mes enfants. Donc on se retrouve un peu à 9 enfants des fois. Donc il faut qu'on ait une grande voiture de 7 places pour pouvoir embarquer tous ces enfants-là. Mm-hmm. Moi je pense que c'est la particularité peut-être d'être jumelles. C'est-à-dire qu'on a tellement été tout le temps ensemble que même maintenant, si on a fait chacune nos vies, eh ben on se recherche quand même. Merci Lévini, Facebook. Voilà. Quelle est la place pour vous de la femme polynésienne ici sur le territoire en Polynésie? La femme, c'est le pilier du foyer. C'est elle qui porte beaucoup et tout. Et je crois qu'il faut vraiment rester forte en tant que femme polynésienne. Je pense que nos mamans d'avant, elles travaillaient dur aussi pour élever les enfants, travailler dans l'agriculture et leur apprendre des valeurs, même si elles ne sont pas allées à l'école. Et maintenant, on doit continuer.